On a vu la vidéo gens, Mofa, souris, du jeune nom Et aujourd'hui, le CNRD est à sa recherche. Il a fait une vidéo. Je vous ferai écouter une petite partie ici où il indique que et le dimanche 23 avril 2023, à 21h, ils sont allés chez lui. Ils ont arrêté ses deux femmes. Ils ont arrêté ses enfants. Ils ont détruit les portails de ces, de, 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 de ces différentes maisons parce qu'il a dit qu'il a, a 14 chambres chez lui. Ils ont détruit six portes, ils ont pris les clés euh, de ces véhicules, mais lui, il n'était pas là-bas. Parce que tout simplement, il a dit que le CNRD quittera le pouvoir sous peu de temps. La question qu'il faille se poser ici, est-ce que cet acte, cette parole de Mofasori engage réellement sa famille, engage ses élèves. Parce qu'il a aussi des élèves qui ont été arrêtés, les élèves, euh, en tout cas, les enfants qui, qui, qui forment chez lui. Parce que c'était un grand féticheur. Hein? Maintenant, si réellement le CNRD croyait, hein? En eux, s'ils sont convaincus, rien ne va se passer. Parce que le jeune a dit dans 28 jours maximum qu'ils seront dégagés par d'autres hommes forts du pays. Maintenant, si ils sont sûrs d'eux qu'ils sont les plus forts, pourquoi alors aller attaquer le domicile du jeune Pour quelle raison Et même, ils savent qu'ils sont au pouvoir par infraction. Ils le savent. Parce qu'ils ne sont pas venus par la voie de la démocratie. On les a acceptés. On les a applaudis. Ils ont promis terre et ciel. Ils ont promis Allah le Tout-Puissant. Ils ont promis le peuple. Ils ont défié le Tout-Puissant. Ils ont défié le peuple parce qu'ils n'ont pas respecté leurs engagements. Et si des jeunes gens tiennent des paroles, qui disent qu'ils ont vu ça dans leur travail, que cela soit vrai ou faux, moi je ne veux pas dire que ce que Souris a dit est vrai ou faux. C'est lui seul qui sait. Je sais seulement il y a beaucoup de gens qui avaient prédit le départ de M. Alpha Condé, qui sont en train de dire la même chose actuellement que Dumbuya va partir. Dumbuya va partir, il va pas organiser des élections. Plein de gens qui avaient vu des signes le disent actuellement. Alors vous devez laisser la famille des jeunes parce que sa famille n'a rien à voir dans ça. Cet acte ne peut être que pénal.

Voilà, vous venez de l'écouter. Hein? Pour ceux qui euh, ne comprennent pas, malinqué, c'est ce que je vous disais au début de, de, de la vidéo. Voilà, le jeune, il dit qu'il a dit ce qu'il a dit, et que eux, ils ne pourront pas mettre main sur lui. Et si, que, si hier il était à la maison, qu'aujourd'hui, ça allait être une autre histoire en Guinée. Selon ces dires hein. je ne fais que relater ou relayer ce qu'il a dit. Je pense que la panique est totale. La panique est totale. Comme m'a dit un officier dont je vais te dire le nom, il n'y a pas... Des peureux plus que ces jeunes gens qui sont aux affaires actuellement, mais ils font le semblant. C'est juste dire que aux forces vives de Guinée, si nous continuons à mettre la pression, si le peuple accepte de suivre le chemin de la majorité dans ce pays, franchement, ils iront et un autre viendra et ce dernier sera obligé de faire les choses plus vite que possible. Peut-être dans six mois, on va finir avec cette transition. La Guinée-Kintern bénit, suffit d'avoir des hommes honnêtes à la tête pour s'en débrasser de tous ces mots, ethnocentrisme, tous ces mots, division, de tous ces mots. Pirdibarda, on n'a pas besoin. Que Ayedol dénoubla. Amara, Mamadi, Bala, Idiamine, Ayel c'est vous. Le cerveau. De tout, actuellement. Vous êtes en train de faire pleurer des milliers de gens. Je n'ai pas parlé ici de Sadiba, je mets centre entre guillemets. Vous êtes en train de faire pleurer des gens en milliers. Mais vous allez pleurer à leur place, sous peu. Allah le Le pouvoir est un temps, je l'ai toujours dit, pas tous les temps. Vous devrez vous servir des hommes qui se tapaient hier la poitrine. Qui sont aujourd'hui dans les cassos. Ne soyez pas étonnés si vous, vous retrouvez à leur place demain. Parce que les ce que vous cherchez aujourd'hui, c'est ce que vous aurez demain. Nous, on a voulu vous accompagner. J'aimais tellement le CNRD. Vous avez tellement voulu voir ces gens-là réussir. À un moment donné, le eh, colonel était même mon idole. Pour vous dire que c'était la limite au en fait tellement que je me disais que ce jeune va réussir les indices par la suite m'ont montré qu'il n'iront nulle part parce que toute personne je l'avais dit hein, autant de m. Alpha est lorsqu'il est venu il parler de de quatre régions je ramène ça parce que c'est très important il a parlé que il donne l'Assemblée nationale à la Guinée forestière la primature à la Basse-Guinée. Et puis, il, ça veut dire que euh, le pouvoir exécutif, c'est dans les mains de la haute Guinée. Alors l'opposition devient le Fouta. Je me suis dit là, il va échouer. Et tel a été le cas. Dumbuya aussi ses promesses. Il vient, il dit on va s'unir, on va se donner les mains, on va faire ceci, cela. Par après, il se braque contre les hommes, les plus forts du pays. Il va échouer. Il n'y a même pas de sacrifice. Il va échouer. Allah même n'aime pas ça. Dieu teste toujours l'être humain. Et en combattant un acte, lorsque vous dites que vous êtes contre la corruption, vous êtes contre ceci, cela, vous, vous devez vous méfier de le faire. Mais aujourd'hui, vous êtes tous des milliardaires en francs guinéens, des millionnaires en dollars, beaucoup d'entre vous. Sous peu de temps, vous n'avez même pas encore 2 ans aux affaires. Et puis vous arrêtez des innocents, vous les condamnez. Vous parlez de ceci, cela, vous, vous êtes dans la corruption. là-bas. ala te sunɔrɔ go? ala te sunɔrɔ go? a te sunɔrɔ a te sunɔlan. awa an ta tun ala de kaɲi k'o digbɛ.